Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo récap bilan du défi du mois de mai. Donc pour celles qui arrivent sur cette vidéo, j'organise des défis tous les mois, en fait sur un thème différent ou une création différente. Et en fait, il faut me faire la création dans le mois. Je donne une date fin du mois. Il faut me l'envoyer par mail ou en photo. Faut me l'envoyer en photo par mail ou sur Insta ou Facebook. Et à la fin du mois, je fais une vidéo récap de toutes vos créations et un petit tirage au sort pour gagner un petit lot que j'offre à la personne. Voilà, donc ce mois-ci, le thème, c'était une carte chevalet avec au moins une petite touche de la couleur verte et blanche. Donc j'ai eu encore une fois beaucoup de participation. Donc merci, merci, merci énormément. J'ai eu 21 participations. Donc un grand merci à toutes et bravo à toutes puisqu'il y a eu des très jolies créations et des très jolies cartes chevalet de différentes... enfin, de différents formats, de différentes formes. Je vous laisserai après, de toute façon, vous allez voir dans les photos que je vais vous mettre juste après. Il y a eu de très jolies choses. Donc, merci à toutes. Donc, sans plus attendre, je vais vous mettre tout de suite les photos de toutes les créations des filles qui ont participé. Comme vous avez pu voir, beaucoup de très jolies créations. Tout le monde a respecté les règles. Il y a eu une petite personne, je lui ai dit, qui a pas. Enfin, elle a fait une carte chevalet, mais il n'y avait pas de blanc ni vert. Enfin, il y avait une petite touche de blanc, je crois. Mais je lui ai dit Joker pour cette fois-ci. J'accepte ta création. Je considère que je ne suis pas embêtante non plus. Je considère que c'est un loisir, un partage. Je ne fais pas ça. Voilà, je suis pas non plus. Faut pas que ça se reproduise tout le temps. Mais voilà, une erreur, ça arrive à tout le monde. C'est du scrap, c'est pas non plus. Voilà. Donc du coup, j'ai accepté quand même sa participation. Mais voilà, je lui ai dit normalement, ça n'allait pas. Mais je l'accepte quand même. Il n'y a aucun problème, ça, il n'y a pas de souci. Bref, du coup voilà, bravo à toutes et merci beaucoup pour toutes ces participations. Franchement, ça fait plaisir et je suis très contente que les défis vous plaisent, puisque depuis que je les ai lancés en janvier, j'ai quand même pas mal de participations. Donc merci beaucoup à toutes. Voilà, j'ai des très jolis retours et des très gentils messages par rapport à ces défis. Donc merci les filles et je suis très contente que ça vous plaise. Donc on va passer au tirage au sort de ce défi du mois de mai. Voilà, donc comme vous avez pu voir, je vous ai mis une capture d'écran. C'est Althea Scrap qui a gagné ce mois-ci. Donc bravo à toi Althea Scrap. Si tu peux m'envoyer ton adresse, alors tu me l'avais envoyé par mail, donc envoie-moi ton adresse postale par mail aussi. Je t'enverrai le petit lot de ce mois-ci. Donc tu vas gagner ma carte chevalet que moi j'ai fait et toujours quelques petites choses en plus. Voilà, donc j'espère que ça te fera plaisir. Merci encore une fois à toutes. Vraiment beaucoup. Vraiment merci, merci parce que
Quand j'ai débuté ces défis en janvier, je ne pensais pas que ça allait plaire autant et je suis vraiment contente que ça vous plaise. J'espère que les mois suivants vous plairont tout autant. Donc on va partir pour un nouveau mois et un nouveau défi au mois de juin. Je vous donne rendez-vous. Alors la vidéo va paraître dimanche. Donc pour vous, là, vous voyez cette vidéo-là vendredi. Donc dans 2 jours, pour vous, vous aurez la vidéo annonce du défi du mois de juin. Donc restez connectés. J'espère qu'il vous plaira tout autant et que vous serez tout autant nombreuses à participer. Et voilà, encore une fois pour de nouvelles aventures et de nouvelles créations. Donc merci encore une fois à toutes. Et puis bah, moi je vous laisse là. Encore bravo à toi Althea. Et n'hésite pas à m'envoyer un mail avec ton adresse postale. Merci à toutes et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.